équipes qui méritent parce que depuis le début de la saison. Ça suffit maintenant, hein. Arrête, Quentin, arrête. Quentin, arrête. La Nouvelle-Zélande, ils ont fait avec les moyens du bord, hein, donc puisque comme tous les titulaires jouent ce soir, la plupart des titulaires jouent ce soir. Donc, qui pensez-vous va gagner ce match? Ouais, c'est du moment, je suis à Paris. Non, mais on s'en fout, attendez. Ils sont très mal élevés, quoi. Hein? Arrête. Bah oui, c'est vraiment très lourd, quoi. Oui. Hein? Ouais. 2-3 points et... Allez, monsieur, pourquoi vous venez faire des... Non mais... Vous voulez... Je dis en principe, on fait ça derrière, on fait ça. Oui. Vous voulez dire bonjour à qui? Eh ben bonjour à vous, entre autres, et puis bonjour aussi à ma femme, bonjour à Marie, c'est moi. D'accord. Accordé 5... Moi je vois... J'aimerais bien que ce soit le français, moi. D'accord. Parce que malgré tous les blessés qu'ils ont et tout, ils ont présenté 15 bonhommes sur le terrain. Mais arrêtez. C'est d'une grossièreté, je trouve. Ouais. C'est vraiment très grossier. Ouais, c'est deux belles équipes qui méritent parce que depuis le début de la saison. Ça suffit maintenant, hein. Arrête, Quentin. Quentin, arrête. C'est un problème. Déjà, ça se passe en France, donc on a une... Monsieur. Si, alors allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je trouve que tu es nul. C'est tout. Bah attendez, monsieur, vous avez... Non mais attendez, si vous vous mettez dans le champ. Ils ont gagné Toulouse, donc leur bête noire à Marseille. Monsieur, vous croyez où? Pardon. Il y a des millions de spectateurs qui vous regardent, ça vous amuse. Eh ben, je suis trop fort. Allez, Paris. Non, on s'en va, il y a des... Vous remettre cette caméra cachée qui avait été tournée lors d'une ancienne finale du top 14, et c'est une vidéo que j'adore parce que ça reflète vraiment l'esprit rugby, l'amitié, les mecs se prennent pas au sérieux, et moi c'est pour ça que j'adore ce sport et ses supporters. Et d'ailleurs, j'ai animé pendant le confinement un live avec tous les meilleurs joueurs du top 14 au profit des petits frères des pauvres. Il te reste un dernier challenge, c'est que tu vas plonger entre les poteaux pour mettre un essai. Ah mais je me suis mis sur mon 31 pour le 10 mars, et là tu me demandes de me rouler par terre? Ok. Ah putain, ça me fait chier de détruire ça quand même. Bon, je le fais. Et voilà, donc c'est l'avion qui est en attaque. L'avion qui est en attaque. Payo qui a... C'est cool. Avec un essai d'anthologie de l'aviron. Heureusement. Oh, il a qui retentit dans tout le stade. Oh, magnifique. Bon. Très beau geste. Très beau geste, et du coup, Sylvestre qui nous fait un don de 150 euros pour féliciter ce superbe geste. Bon, alors là, dites-nous en commentaire si vous pensez que Félix est mieux en deuxième ligne ou à l'ouverture. Donc, on va voir comment toi, quand tu es en vacances, tu ouvres une noix de coco. Donc le geste est très précis. Ah ouais, putain. Mais là, t'as typiquement l'abruti de base qui veut faire rigoler les copains en vacances. Et voilà, qui essaie d'ouvrir la noix de coco tant bien que mal. Là, on voit que la fin de la vidéo parce que j'ai passé un peu de temps quand même. Bah, explique-nous la technique un petit peu parce que... Ah ben, viser le côté le plus plat de la noix de coco. Et en mettre autant que possible jusqu'à ce qu'on la fende en deux. Elle est magique cette photo. Voilà. T'as l'air tellement content en plus, t'as l'air tellement fier de ta connerie. C'est ça qui est génial. Ouais, tu vois, là, t'as un abruti de base voilà, qui est en vacances et qui kiffe, mais bon. Et toi, dis-nous en commentaire dans quel club tu joues ou quel club tu supportes. Et rendez-vous très vite sur les terrains du top 14.